Frank West. Vous allez me coffrer? Possible. Plutôt oui, alors. Ça dépend. De? De votre jeu en équipe. Oh, merde, ça a jamais été mon point fort. On étouffe là-dedans, vous trouvez pas? Un peu d'air frais. Je pensais vraiment que ça marcherait. Bon, eh ben, on dirait que j'ai un peu de temps libre, vous vouliez me parler? Ah, je sais qui vous êtes. Colonel Brad Park, commandant de la ZDC. Je suis bien les actualités sur les zombies. J'en doute pas. Vous savez donc que la ZDC est mandatée pour lutter contre les zombies sur le sol américain. Ouais, en enfermant et en faisant taire ceux qui savent la vérité, je suis déjà au courant, merci. Ça recommence à Willamette. Quoi? Une épidémie. J'ai rien vu aux infos, ça dure depuis combien de temps? 6 semaines à présent. Vraiment? Difficile de faire taire toute une ville aussi longtemps. Pas pour eux. Qui ça? Le Pentagone. Oh merde. Qu'avez-vous vu là-bas? Vous le savez très bien. Personne ne sait, Franck. Si je l'ai appris, c'est parce que quelqu'un a merdé en me filant un rapport confidentiel. Le camp d'entraînement des réservistes? J'ai encore jamais vu qui que ce soit en poste là-bas. Les communications de la ville sont coupées dans les deux sens. Les photos satellites ne sont plus à jour depuis 4 mois. Ils veulent étouffer l'affaire. Mais le plus mystérieux dans tout ça, c'est que pendant tout ce temps-là, vous, Frank West, vous donnez un putain de cours du soir, au lieu d'avoir 2 longueurs d'avance sur moi. J'ai raccroché. Raccroché? Oui, j'ai raccroché. Vous savez dans combien d'épidémies j'ai été impliqué, combien j'en ai couvert et ce que j'ai eu en échange? Hein? Que dalle! Pas un merci, pas de fleurs, rien qu'un carnet de contact, rempli de macabées. 2006, le prix national Headliner. Vous avez révélé la première épidémie sur le sol américain, photo à l'appui. Vous avez reçu des médailles, quelques diplômes. Oui, à titre honoraire. Ouais, et venons-en au fait. 3 semaines plus tard, j'ai tenté de révéler au monde entier l'implication du Pentagone et de tout le gouvernement, mais on m'a démolé! Parce que vous ne disposiez pas des preuves suffisantes. Accompagnez-moi à Willamette. On va révéler cette histoire. Et là, vous irez jusqu'au bout. Frank? Frank, ça ne concerne pas qu'une ville, l'enjeu est bien plus grand. Non. Sans moi. Si vous levez le voile, vous décrochez le gros lot. Il y a des choses à rattraper. Mais en fait, je suis surpris que vous laissiez une amatrice vous voler cette histoire. De quoi est-ce que vous parlez? Là, c'est bien une de vos élèves, non? Oh! Je crois que... Oups. Vic. Sacrée équipe que vous avez là! On approche de Willamette. Envoyez une unité. Capturez les cibles ou tuez-les. Thank you.
Debout là-dedans! Quoi? Franck! Franck! Ouah! Debout là-dedans! Vous avez pas fini de dire ça? Sans, on a cassé votre hélico. Vous avez l'œil, on m'avait pas menti. Retenez-les! On va avoir peu. Besoin de cet équipement! Les retenir! Mais avec quoi? Prenez une arme, Franck! Venez m'aider, West! C'est bon! Voyez ce que vous pouvez faire de ça! Pour ça, les zombies de la zone de restauration sont les pires! Bon, il nous faut un abri. Cet hôtel m'a l'air bien. Trois étoiles, au mieux. Vous faites toujours l'andouille ? J'ai intérêt à bien inspecter l'endroit. Bien, retrouvez-moi à l'hôtel. Pas mal. Désolé, j'ai eu envie d'un samoussa. Un samoussa ? Cette mission va être longue. Hé ! Venez par ici avant qu'il vous voie ! Bon, prenez une arme ! J'en ai toute une chier ! Ça devrait être intéressant. J'espère que ça va marcher. Il vous reste une chambre avec deux lits. Oh, vous êtes fandard. Vous savez, techniquement parlant, vous auriez été notre premier client. Comment ça? Vous êtes pas d'ici, je me trompe? Ce bordel a commencé pendant le Black Friday, le lendemain des grandes soldes pour l'ouverture. Vous voulez dire que la galerie était ouverte depuis même pas un jour quand les zombies l'ont détruite? Faut pas rester là. Cette porte mène au couloir de maintenance. Ouais, mais le directeur s'y est enfermé quand il a été mordu. J'essaie de la défoncer depuis un bon moment. Voilà la truc ! Crève ! Oh, oh, on a des ennuis ! Couvrez-moi pendant que j'ouvre cette porte ! Bordel, c'est qui ces enfoirés ? Cible devant, au centre ! Occupez-vous-en ! Ah !
ai déjà ras-le-bol de cet endroit. Ça y est, on y va. Des fois, je m'épate moi-même. Oh merde, t'étais un vrai connard, Ted, mais tu méritais pas ça. Je m'appelle Connor, au fait. Bien, enchanté. J'enquête sur cette épidémie. Vous savez comment ça a commencé? Je sais que ces enculés de soldats gardaient un truc super secret près de l'entrée principale de la galerie. Mais il y avait une journaliste... Quelle journaliste? Elle avait un nom de mec, je sais plus. Vic, elle est où maintenant? Elle s'est planquée un temps dans le centre de sécurité de la galerie. Elle y est peut-être encore. On devrait aller au centre de sécurité. On y trouvera peut-être des armes. C'est un bon plan, mais j'y vais seul. Quoi? Écoutez, cette épidémie est très certainement une sorte de test, et il doit être organisé par ces enfoirés de soldats. Je dois découvrir pourquoi, et j'y arriverai pas si un poulet me tient en laisse. Je dis pas ça pour vous offenser. Bon, d'accord. Je vais aller en ville et m'intéresser aux opérations d'aide. Si vous apprenez un truc, tenez-moi au courant. Ok, si j'en ai le temps. Bon, je me tire. Il y a une milice qui se forme à Westridge. Je vais les rejoindre et tuer encore plus de ces cons. À plus! Bonne chance, West. J'ai eu du pot. Maintenant, il me faut un bon scoop bien juteux. Oh, qu'est-ce que c'est? Connor dit que Vic se planque au centre de sécurité. Je vais découvrir ce qu'elle sait. Après, je la ferai dégager de cette ville à coups de pied dans le cul. Normal. Thank you.
communication prenait des jours. C'est quoi ce bordel? Depuis longtemps, vous n'avez pas vu une journaliste à... appelée Vic? Oh, si. Si, elle s'est planquée ici pendant un moment. Elle a laissé des affaires. Vous pouvez y jeter un œil. Edith, je vous dois une fière chandelle. Je dirigeais une boutique ici jusqu'à ce que quelqu'un laisse la porte principale ouverte. S'il vous faut un truc, passez me voir. C'est l'écriture de Vic sur le mur. Ça doit être là. Merde, elle est pas venue depuis des semaines. Sympa. L'entrée principale. Regardez-moi ça. C'est du matériel militaire. On dirait que Vic s'en servait pour transférer des rapports. Donc, l'épidémie a débuté à l'entrée principale de la galerie. Et d'après Connor, les paramilitaires gardaient l'entrée. Je vais devoir aller voir ça de plus près. Une de mes plus grosses... Vous voulez quelque chose? Voyons voir. Soyez prudents, ok? Bien contente d'être ici. Je vous ai entendu parler. Si vous allez à la porte principale, passez par le parking et allez jusqu'à Medieval Town. Les autres chemins sont tous bloqués depuis l'arrivée des soldats. Faites quand même gaffe. Ces crétins avec les masques à gaz ont bâti une sorte de fort à Medieval Town. Si vous y allez, préparez-vous à vous battre. Faites des réserves tant que c'est possible. C'est noté. C'est un article prisé. N'hésitez pas à faire le plat.
Eh, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ça se présente plutôt mal. Je vais me faire bouffer la couenne si je traîne ici trop longtemps. J'ai besoin d'aide! Je vais filer direct au refuge. J'y serai plus en sécurité. Je crois que j'ai vu faire. Elle transfère des espèces de rapports. J'ai trouvé le premier. Je vais vous le lire. Ok. Vichu, premier jour. Willamette est perdue. Épidémie à grande échelle. Il y a des hordes partout. Des milliers, voire des dizaines de milliers de morts. Pourriture de paramilitaires ne sont qu'une pièce du puzzle. C'est le gouvernement qui a fait le coup. Et quand je le prouverai, quand je démasquerai ceux qui tirent les ficelles... Eh bien, peut-être que je vais convaincre Monsieur Frank West que le journalisme n'est pas qu'une question de gros sous. Ça date d'il y a un mois environ. Merde! Il a beaucoup d'avance sur moi. Je vais essayer d'en trouver d'autres. En attendant, regardez si vous ne trouvez pas ce genre de terminaux. Terminé. Navré, messire, mais vous êtes sur les terres souveraines de la puissante reine Sandra. Alors maniez-vous de déguerpir! Tiens, bonjour! Je savais pas que l'association historique des faces de cul était en ville! Qu'est-ce que vous venez de me dire?
Eh ben, si la reine Sandra est aussi consanguine qu'elle en a l'air, c'est tout à fait mon type de femme. Ça va se payer. Ta mère était une hyène et ton père sentait des sous de bras. Hé, hey, ouvrez! Je vais aller donner une leçon, vieux con! Oh, pauvre chou, tu vas te mettre à pleurer? Hé, hey, bûcheron en fer blanc! C'est pas moi le méchant dans l'histoire! Supplie-moi! Vas-y! Ok, tout est normal. Vic avait l'air de penser que l'épidémie a débuté à l'entrée principale de la galerie. Je vais aller jeter un œil. Wow, il se passe un truc énorme. Yeah!
Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Se sont réunis avec à leur tête un certain Tom. Ils veillent à leur fournir nourriture et matériel et forment quelques volontaires pour créer une milice anti-zombie. Parmi la bande de Tom se trouve une femme appelée Amund, qui va me faire visiter la ville. Tom veut que je l'informe sur ce que je découvrirai. Alors il a accepté de me fournir un abri et à manger le temps que je serai là. C'est plutôt équitable, puisqu'il vit ce que j'écris. Je suis pas là pour profiter de ses souffrances. Je parie que j'ai tué tous ceux qui connaissaient le code d'accès. J'en reviens pas de l'utilité de ce filtre. Je crois que je vais essayer. Merci, MacGyver. Merde, j'hallucine. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ces gens devaient tous faire la queue pour les soldes du Black Friday. Finalement, ils auront payé le prix fort. Ces enfoirés de soldats enquêtaient sur ce qui s'est passé ici. C'est pas l'œuvre des soldats, et sûrement pas celle des zombies. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Ça fait des semaines que je voulais entrer ici, moi, putain!
Hé, qu'est-ce que tu fous? Dégage d'ici! Du calme, mon gars, y en a pour tout le monde! Hé, toi! C'est ma scène! Casse-toi! Oh! Vous êtes Frank West, le héros de Willamette! Moi, c'est Darcy! On devrait travailler ensemble, vous savez? Partager l'histoire! Ok. Non, mais sérieux, hein? Eh, faut que vous rencontriez ma copine, mon éditrice, je veux dire, Paula. Elle diffuse un podcast hyper populaire. Elle enquête sur les gars d'Obscuris depuis des semaines. Obscuris, c'est le nom de ce groupe? Ouais. Paula sait tout sur eux. Tu sais quoi? J'aimerais bien rencontrer ta copine, en fait. Où je peux la trouver? À la mairie, dans Old Town. Ouais, allez lui parler, hein. J'ai hâte de voir sa tête quand elle saura que Frank West travaille pour nous. Oh, putain. Ouais, ça serait vraiment génial. Au revoir. Eh ben, Willamette, tu n'en finiras jamais de me surprendre. Ce type-là, Brad Park, directeur de la ZDC, annonce qu'une épidémie vient d'éclater à Willamette. Et la petite Vicky Chou est déjà sur place pour couvrir l'affaire. Mon affaire. Bref, on survole Willamette, boum, on se prend une roquette. Très vite, j'apprends deux choses. Primo, ça fait plusieurs foutues semaines que Vic est là. Elle enquête sur un groupe paramilitaire et des événements à l'entrée de la galerie marchande qui, et j'en viens à mon deuxième point, se révèle être la chose la plus atroce, répugnante et étrange que j'ai vue de ma vie. Des images qu'il est inconcevable de publier en une, pour la plupart des canards. Bref, les obscuristes ne sont pas tout seuls en ville, mais ils font pas dans l'humanitaire non plus. Alors en route pour Willamette. Je découvrirai peut-être ce qui mijote et qui tire les ficelles. Je croise les doigts. Allô? C'est Frank West, le sauveur de Willamette? Oui, mais on m'appelle aussi Trou du cul ou Frank qui? Moi, c'est Paula, comme dans l'évangile des zombies selon Paula. C'est mon podcast sur les zombies. Darcy m'a filé votre numéro. Oh, d'accord. Donc il paraît que tu as quelque chose pour moi. Ouais, retrouvez-moi au service des archives de la mairie. La porte est derrière. Venez seul, Frank. D'accord? Bon sang, mes fans sont dérangés.